amis. Moi salue nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Non, moi c'est Aude Antoine. Moi bien content pour capable là avec nous aujourd'hui hein, pour nous participer dans le message de la parole de Dieu qui a présenté par notre révérend pasteur Naasson d'Orvilliers et qui a traité un très bon sujet pour nous qui dit il faut courir pour remporter le prix. En nous tendant ensemble. Le texte de base nous tenons maintenant, c'est Philippiens chapitre 3, le verset 12 à verset 14. C'est là nous avons un message ça maintenant que nous allons prêcher maintenant. Et le sujet message nous dit il faut courir pour remporter le prix. Dis ça. Il faut courir pour remporter le prix. Dis-moi pour là. On courir pour remporter le prix. Dis ça non. On courir pour remporter. Amen. Chaque monde en course. La vie chrétienne sont course liées. Et la vie actuellement vivre sont course. La vie elle-même c'est une course. Chaque monde qui a vécu est en course. Et chaque monde en course par ailleurs, il y a différentes manières de capable de gérer la course. Mais apôtre Paul présentait la vie chrétienne comme une course. Chrétien. Et d'habitude, on a ça les courses. Je dis course, c'est une facilité pour habilité aussi pour rendre courir. Elle dit course, c'est dit apprendre à courir. Et mais maintenant, on va parler, il faut courir pour remporter le prix. Quel prix? La vocation céleste. Parmi Christ, relève-nous, on est à là. 17 français, il dit à de nouveaux combats, Jésus-Christ nous appelle. Le jour même, Christ réveille ou non bataille spirituelle. Le jour converti ou non combat spirituel. Le jour accepté de Jésus, nous mettons la vie ou non course spirituelle. Et course soit courir, nous mettons pour visible, soit pour invisible. Parce que le texte dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Maintenant, nous avons une course. Nous avons une course pour la matin. Et chaque monde qui a envie par eux, course pour la course par nous-mêmes. Nous avons une dimension course pour la vie. Nous avons une niveau, mais maintenant, il faut qu'on ait. Il faut courir pour remporter le prix matin. Après de Paul a parlé aux Philippiens, après de Paul a parlé avec l'église, il veut plus comprendre la vie chrétienne. C'est une course liée. Ou de courir. Et si ici, il y a une course, il y a une course 100 mètres, une course 600 mètres, et d'absuivre une course qui dure 6 jours. Il y a une course qui dure 6 jours. On a fait 6 jours à courir, sans arrêter. Il y a une 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Pour ça, c'est 6 jours à courir. Pour ça, c'est en France, au Berlin, 6 jours. Et bien, course en tant que chrétien, course par le c'est de la terre vers le ciel. Là, on y a un. Course par le commence depuis sur la terre pour aller vers haut au ciel. C'est pas un coup 100 mètres, c'est pas un coup 200 mètres, c'est pas un coup 6 jours, mais course par le commence de la terre pour aller vers le ciel. Il faut courir pour remporter le prix. Maintenant, mais on se met avec vous, parfois, ouvrez ou pas à courir. Et moi, je vous donne des démonstrations là. Moi, mesdames, vous pouvez mettre trois valises là, moi, je vous donne des démonstrations. Pour courir, il y a un obstacle qui est capable d'empêcher de courir. Amen. Parce que pour courir, vous avez habilité, vous avez moyen nécessaire, vous pouvez courir. Et pour nous, j'aimerais dire, non, et pour chapitre 12, le verset 1er, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, restons tous fardeaux, le péché qui nous enveloppe si facile, et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Pour courir, vous ne pouvez pas le faire, mais restons tout fado, là vous m'avez demandé. Premier obstacle, pour qu'il ait bien couru, mais il était tout fado, qui est capable d'impression pour la vie spirituelle.
Je parle de course matérielle, de course visuelle, courir à pied. Mais de la vie chrétienne, ou non course. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça peut prendre nos courses. Ou d'accord ou pas d'accord, le ciel prend nos courses matérielles. Premier bagage, je fais. Restons tout fado. J'étais tout fado. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Ta, Jean-Baptiste dit, ce sont des violents qui s'en emparent le royaume de Dieu. A dit, maintenant, pour courir, ou bien le jeter fado. Et que bagage souge la main ou pas choc à courir. Par contre, si vous avez fait l'expérience de l'habitude de violon pique, quand les gens ont couru, ils ont un pénis spécial pour courir. Ils ont dit qu'ils ont botté nos pieds là, empêché pour courir. Ils ont dit qu'ils ont un gros fado sous l'eau, ils ont un gros sac sous l'eau, pas à courir. Le monde, regardez, la qui sous la croix serre, la est très difficile pour courir. Moi, je vous donne un exemple. Pour courir, il faut que vous habilitez moins léger. Pour courir, il faut que vous habilitez moins léger. Il faut pas embarrasser. Pour ta courir là, là, barrer est la même plus facile pour courir. Vous voyez? Mais si le faut que pour t'habiller, pour parcourir, mais si je fais ça, est-ce que je vais courir? La foi est difficile pour vous courir parce que mon fado n'a même pas courir. Là, je vais vous dire. Ça veut dire, le texte, l'apôtre Paul a parlé, dit, restons tous fado et le péché qui nous enveloppe si facilement. A dit qu'il est bagarre, il va te sous le cou, ou obligé de déposer pour courir la terre. Il y a des bagailles, souvent je cours spirituellement vers la joie pour Dieu, qu'il n'y a pas besoin de laisser. Il y a un moment où il y a un entraîneur qui a entraîné nos héros, il y a un team ou un joueur spécial pour le courir. Il y a des bagailles à demander de faire. Sous bois, il y a un moment où vous faites d'ailleurs, là où vous avez un terme. La paix, vous avez un terme. Non, mais saisis l'esprit, ma terre. Sous bois, il y a un moment où vous faites d'ailleurs. Pour casser, pour moi, il y a des points petits. Dans la vie chrétienne, il y a des gens dans l'église, il y a des points. Ça va vous dire, on va dire. Il y a des gens dans la vie spirituelle, il y a des points. Il y a ces petits bagailles, les soins, il y a des points pour gagner la vie, il n'y a pas à courir maintenant. Ah, ma vie est obstacle, elle dit, restons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facile. Si vous avez orgueil dans l'estomac, la même chose pour vous spirituellement. Ou toi, nous battons, le ciel va nous débarrasser, retirer l'orgueil là, et puis nous mettez la paix dans l'amour pour la courir matin. Comment vous dites pour matin? Retirez le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facile. Apôtre Paul a parlé, il dit, il y a quatre bagailles qui sont capables de faire nous remporter le prix. Premièrement, il faut gagner la conviction dans la course. Vous avez il faut avoir la conviction dans la course. Si que vous ne pouvez jamais réaliser, faire de sous là. Nous ne pouvons pas sommes capables de remporter le prix. Donc, plus chrétien est perméable. Il y a dit que trois types de chrétiens. Il y a une c'est plastique, il y a une c'est roche, il y a une c'est une éponge, il est capable d'absorber. Chrétien plastique là, l'élément lui tombe sous lui, il passe sous d'autres trous, il est perméable, il va traverser. Chrétien roche là, même si elle mouille, il n'y a pas fond parce qu'elle est droit. Mais chrétien qui sur les projets, là, il a de l'évangile, il absorbe l'évangile. Non seulement il absorbe, elle met en pratique. Soit lève pour le loup parce qu'il est absorbé. C'est ça que David a dit.
dans la parole, ça dans le 119, la dit m'a serré la parole dans le cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Maintenant, vous avez besoin de ça, c'est la conviction. Restez fardeau là. Il faut écrire pour guérir. Retirez le bac à voir pour le matin. Il y a un peu de là. On va le réaliser. Maintenant, pour une décision, pour dire non, comme la pousse là. Il y a un peu de monde dans l'église. Que l'on tombe ma prostituée, que l'on tombe dans le couple là, même pas jambes pour ouvrir. Réalisez-vous, si vous pas jambes pour ouvrir, vous pouvez pour ma p'tite vivre. Attendez, non seulement vous avez été fardé, pas bien de tout contenu pour manger le corps pour mourir dans le couple là. Il dit dans Romains chapitre 12, le verset de Tenez a dit, ne vous conformez pas. Pas pourquoi il a pour ça on te dit pour mieux là où il y a un terrain qu'il est joué qu'il est là qui on met sous c'est l'esprit artiste là dedans là où il y a un terrain qu'il est là on met sous c'est l'esprit artiste lui est tiré là pour ça il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et ça dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 le verset 1er. Romains chapitre 12, le verset 1, il dit, ne vous conformez pas au ciel. Chrétiens, nous avons propre peine par nous. Nous avons propre style par nous. Attendez, souvenez-vous dans l'église catholique, on fait tout pour la vie avec le chapelet même. Là où nous avons. Tout le chapelet, parce qu'on connaît, c'est ça qui est le chapelet. Souvenez-vous dans le style. Même si bien, 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 tout à fait c'est bien à terre. Même si tu es bien sous les pieds, le but est de sous les pieds à terre, bien de danser. Parce que c'est pour ça que vous voulez vivre. Souvenez-vous dans la mosquée, vous entrez dans le monde comme ça, vous avez dit que vous mettez tête têtes pour être tête à terre, vous allez mettre derrière bien en l'air. Mais nous-mêmes chrétiens, nous sentons le monde à influencer nous. On laisse nous pour influencer le monde, c'est dit, le monde rejoint nous. Le monde prend nous l'entrée dans ma côte. Nous sentions dire, sous-titrage, non, quelques dehors, entre les chrétiens, la vie dit forme de différence, car il dit dans Malachie chapitre 4, le verset 18 dit, et vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Elle dit forme de différence entre mon cas seul mon Dieu, avec mon cas seul mon Dieu. Je dis, on peut aller par les différences. Par les différences? C'est on va pas la veille sur la vitale pour marcher dans ça avec nous-mêmes. Quand il sortit à nous-mêmes, on va nous faire une nouvelle toile. Là, on va dire maintenant. Non. De côté 5-10, de côté 5-10, c'est dit si quelqu'un est en Christ, il est une. On va vous dire à souterrain, le nouveau converti, on sortit de bonne bière à ça, on ne fait pas tirer à Jésus maintenant. Bon, on a dit à souterrain, on ne lâche pas, on ne va pas te parler ça, non. Mais on va venir avec Christ, on ne va pas marcher dans l'humilité maintenant. Il est tenu pour un athlète courir. Un athlète qui a couru, il est tenu. Il n'est pas dans le conformé, si à présent. Mais l'apôtre Paul a demandé, c'est pour le transformer de renouvellement, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Une autre nous parlons de gens qui nous parlons de discerner la parole de Dieu qui s'est voulu pour nous. Nous privilégions nous privilégions ça bien dans la Bible là mais ça ne va bien dans le monde là même. En plus une fois nous plus interpréter la Bible dans le sens par nous. Jean Capet nous blessit. Et là et on pense que ça mon Dieu pas gagner comme ça. Et bien oui. Pas gagner des Bibles à une seule Bible. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent a pris trois vieux bagailles. Avant de Paul dit ça. Et après de bien voir tout ça, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas étonné. Ça veut dire qu'on parle, on parle. L'idée dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais après de bien dit, ne pas le monde. Parlez le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas étonné. La contraste que la poutre Pierre et la poutre Paul, la dit le mot pas bon, c'est pour le fuir. Le mot ça. Parce que qu'on soit couru, il comprend ici. Tout le monde qui a couru dans la course là,
ou qu'on vient pour appartenir. Tenez ça, il dit. Il dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, il dit, efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ah, vous donnez ça à pour tout pour la petite. Efforce-toi. Non, couche-moi, c'est me forcer. Efforce-toi de présenter comme un homme éprouvé. Et un ouvrier qui n'a point à ouvrir, qui dispose droitement la parole de la vie. La réponse est à moi. Mon éteint pasteur a prêché. Pendant que prêché, c'est pour moi, j'ai d'abord droit à mon Dieu. Efforce-toi de présenter devant Dieu. Dirigeant prier, efforce-toi. Musicien, efforce-toi. Quel que soit, mon Dieu, ou porter de l'église, efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme. Éprouvé. Aïe, Dieu, pour être délégué, il faut examiner pour le matin. Est-ce que vous êtes d'accord pour courir le matin? Il faut courir pour remporter le prix. Quel prix la vocation? Céleste. Dans tout cela, pas bien, l'apôtre Paul a parlé, il dit, nous sommes environnés de plusieurs témoins. Mais pasteur, qui témoin ça? L'apôtre Paul, et puis je vais dire ça, nous sommes environnés, il vient parler des témoins de l'Ancien Testament, qui sont partis pour l'éternité, qui sont stade à cap garder nous. À chaque fois que je cours bien, je me dis, Abraham dit, allez, allez, c'est bien, c'est bien. À chaque fois que je fais mon bagage, moi il dit, good job, good job. Mais à chaque fois que ça ne me fait pas bon, ça t'a réjoui tout. Là, on a mon mère. Nous sommes environnés de témoins. Mais au sein de l'église, il y a plus de spectateurs que coureurs. Là, on a mon mère. Là, on a mon mère. Je vais expliquer ça. Nous avons plus de spectateurs que coureurs. Nous plus à garder les gens tombés pour nous réjouir au lieu de nous aider. Dans le monde, tout le monde qui a fait, qui a spam mon tombé, qui n'a pas de bataille, le parcours est aussi spectaculaire. La Bible dit nous sommes dans une course. Et pas seulement nous sommes dans une course. Nos courses là, les grands piles, nous l'avons. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses pour ça. Pour ça, il est pour même dans mes mains. Mais pas dans mes paroles. Ça, pour ne pas dire ça, au point nous sommes parvenus, qui ça, marchons. Si nous avons poussé à courir, pour la courir, nous sommes tombés. Au lieu de nous mettre, c'est pile au pile, nous parlons pour cela. Avant de commenter. Je vous l'aime de l'église, l'acte nous va repasser, vous faire chanter sous vous, vous prêchez sous nous. Pas de matin, nous parlons pour cela. Par les symptômes, vous devez passer pour vous battre là. Ne va pas le pas parler mal. C'est pour dire, on a le pasteur au milieu. Vous devez continuer à battre là. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, souviens-toi que tu es tombé et reprends-toi. Il m'a dit, puis tombé, finalement, il dit, souviens-toi, c'est bon. Souviens-toi pendant que tu es tombé et tombé pour continuer à battre là maintenant. Le fait qu'on tombe dans tout ça, ça va être tout ça, fini pour vous. Si Christ n'est pas fini avec, il n'est pas fini avant de vous accorder. Vous avez dit, il n'est pas venu pour condamner. Mais il prend patience. Obstacle qui est pour cela, il y a une possibilité pour entrer dans nous-mêmes, faire une rétrospective. Pour qu'on puisse connaître ce qui est pour cela, car, et plutôt au chapitre 8, il dit l'esprit. Un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Elle dit, depuis notre course là, ma connaissance dans notre course là. Parce que le Saint-Esprit a flashé, l'a révélé toutes ces affaires pour Dieu. Et puis, fois, ça fait nous parler pour nous faire comme ça, ça nous parle de chita comme ça, nous parlons jamais de conscience. Quand tu ne parles jamais de conscience, son chrétien qui est comme spectateur. Non seulement spectateur, il est rédacteur. Il est pas que on est en retard, on est en appel. On est en retard. Apôtre Paul a parlé avec l'église Philippe là. Les dieux ont ça. Attendez.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Qui ça a voté pour le buffet là? Apôtre Paul, tu as dans le texte là, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, apôtre Paul a pris l'éternel comme une rétrospective, une même une révision, pour dire qu'il n'y a pas de rien. C'est un persécuteur qui apôtre Paul a déclaré à monsieur, il a dit monsieur, moi je vous ai dit une capacité, je n'ai pas de moyens. Mais apôtre Paul dit comme ça, moi qui t'es sale, tout ça me dégage comme bien pour moi. Je considère comme qui ça, comme l'amour. Vous savez, il tout ça me considère comme un bien pour moi. À cause de l'excellence de Jésus-Christ, je considère comme l'amour. Ça, ça veut dire. L'homme pour ça, je vais jouer une frappe. Ça va veut dire pour m'abandonner. Parce que monsieur, moi, je vais faire ça. Ça va dire. Moi qui ai l'aime pour ça, c'est pas ton homme qui ai l'aime pour ça. C'est pas papa qui ai l'aime pour ça, mais c'est Jésus de Nazareth qui ai l'aime pour ça. Pas quitter mon méthode pour ça. Amen. La même chose d'avant d'ailleurs. Pas quitter mon méthode pour ça. Un homme pour ça, sous terre, on ne peut plus parler mal. Pas occuper, continuer pour matin. La même chose d'avant d'ailleurs. On ne peut plus parler mal à terre. Moi, nous continuons à courir pour qu'il y ait. C'est Christ qui met dans le pouce là. Amen. C'est Christ qui met dans le pouce là. Qui met le mot de parler? Parce qu'Alexis, tout ça, pour ce qui est débarrassé, il fait manger à parler. Juste le manger à se mourir, au fil de parler, au fil de manger. Amen. Pourquoi est-ce que ça vous fait? Manger, parler. Pas personne n'a tout le pouce là. Puisque le Saint-Esprit dit, où sont enfants de Dieu, pas été donc continuez pour lui. Même si tout le monde l'a vu, continuez pour lui. Vous parlez mal, continuez pour lui. Vous parlez mal, continuez pour lui, parce que Jésus-Christ est mon matin. Mais le monde parle même. C'est pas vrai. Si le monde parle même, Jésus est même. Rappelez-vous. Jésus est bon. Nous sommes alors content. Jésus est même. Là, moi, je suis avec vous, matin. Dans le obstacle qui nous pousse là, dans le matin, non seulement, ou un obstacle, mais, en tant que pousse là, après on a parlé pour, non seulement une conviction, mais c'est qu'il s'agit de la détermination. La détermination dit que, si on a un objectif, même si n'importe ça passé, il est déterminé pour le faire affronter. Détermination, même si l'orage monte, il est déterminé pour arriver. Son monde, dans l'objectif, il y en a la détermination. Il y a une bagaille, nous ne pouvons pas comprendre, les Satan a utilisé pour travailler pour mettre dehors. Il y a un monde qui va déterminer pour remporter le prix. Vous pouvez se dire ça, Satan met dehors. Nous devons veiller ça avec attentivement. Il y a une parole, ça fait que si c'est une méthode de l'homme, on ne peut pas rendre compte pour dire que ça y est. Et puis nous parlons pour dire qui pleure, qui truc ça qu'on est capable d'utiliser, nous disons que ça y est. On va être intelligent. On va se détermination. Pour dire moi-même, c'est Christ qui t'a sauvé. Et par moi, si on a cherché, c'est pas où on a cherché. Là, on va dire. Si on a répondu, c'est pas où on va être. Si on t'a brûlé, c'est pas où on t'a brûlé. Mais le monde qui t'a dit maintenant, on t'a dit qu'il saute dans le ciel, il est sur la terre. On a dit ça à la grâce à matin. On a dit l'homme toujours a baissé au foie de la terre. L'homme toujours là. Mais si on me connaît, il saute dans l'air, il descend. C'est pas baissé une personne, c'est pas lui prendre la terre pour le mettre dans le ciel là. C'est le seul monde qui fait ça. Jésus-Christ a accordé ça pour le fouet, mais il prend pour nous avec. Mais l'homme, il a toujours marché sur terre. Il va là, on va arriver là pour ça. Je vais maintenant continuer. Vous entendez? Il faut courir pour remporter le prix. Ou bien ce qui est aussi matin,
pour nous courir. Ou bien je connais ou bien courir. Bien courir. En plus, fois, on court, mal. On court mal. Yo, racontez mon histoire. Bon, ben, il était bien commencé. Ben, ça, bien commencé. Tout ça le fait, c'est vrai. Oui, il applaudit. Bien commencé. Ils ont raconté. Ben, ça le fait, ben, il a plané. Ou tout le monde s'est levé, ben, ça. Tout le monde content. Mon dernier finissement, ils font vieux bagage. Et tu dis, waouh, mal fini. Il va bien que les mal finis, c'est bien commencé. C'est bien commencé, et puis tout le monde a carrière pour terminer, et puis nous font grimace. Il y a les mal finis. Ça, on l'a dit, en tant que chrétien, c'est bien commencé, pas bien fini, toi. Christ pas payé, commencement. Christ pas payé, commencement. C'est la fin. Christ va payer comme ça. C'est Christ va payer comme ça. C'est ça, mais apôtre Paul, vous dit non. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, il dit, je combat, tu dis ça, le bon combat, il est achevé. Apôtre Paul dit, oui, bien commencé et bien fini. You know that I'm chrétien. Où on en si vous êtes dans l'église, restez là. D'abord, restez. Quand la chose est dit, ma prêté, ma place. Ma campé, ma place. Ma retire qui place, nous n'y a que ma campé, nous n'y a que la place, ma terre. Nous n'y a que la place, où ou pas qu'après, ou bien commencer, et vous mal fini. M'a besoin de nous qui apporte nous payer dans qui position de l'église. Moi, je dis, restez là. Et là, il y a un athlète qui a un numéro. Athlète qui a un numéro, vous mettez là devant ou bien dans deux. Pour qui ça? Numéro va identifier qui est mon nom. Si vous mettez tout le monde numéro 0 d'abord, chaque monde a un numéro. Et le numéro pas, pas numéro pas. Vous avez besoin de mettre le numéro pour identifier qui est ce qui est là. Parfois, vous mettez un signe de drapeau qui appartient avec le numéro de monde pour qu'il puisse représenter. Elle dit, pour ne pas avoir beaucoup de position avec l'autre. Soit vous avez ton nom, vous avez fait grâce de dire ça dans le message. Soit vous avez joué tout, vous avez pris, vous avez mis sur le monde, vous avez chanté, vous avez fait un communiqué pour lui, vous avez prêché, vous avez fait ça. Vous avez considéré ça comme gros bagaille. Mais vous ne pas comprendre ça. Vous avez des anges qui ont chanté pour lui. Des anges qui ont chanté pour lui. Et vous avez fait un petit calme, vous avez fait un gros estomac, vous avez quitté ça. Bon, si vous n'êtes qu'il tombe, vous êtes fini déjà, oui. Si vous n'êtes pas en tout déjà, tu as encore déjà, oui. On dit que vous êtes un bagage, vous quittez le cours là. On dit qu'un bagage, vous quittez le cours là. Zombie, il faut courir pour remporter ça, le prix. Et là pour ça, vous allez courir. Il y a une capille d'autre. Là, vous d'abord. Là, pour ça, il y a une capille d'autre. Il y a une capille d'autre. Mais elle a couru. Amen. Même si vous frappez avant, nous avons une détermination qui s'applique à vous. Le prix. Vous avez bien, en plus, nous pas, je connais que pendant que ça, une capillo. C'est ça mon problème là, oui. L'autre coup ça. Les gens qui ont une pilo, ou pas de chambre mettre à la tête. Pendant l'autre coup ça, une capillo avec l'autre. Et pendant l'autre coup ça, nous sommes terrain, pendant la courir, nous avons frappé. Pendant frapper. Ça
Ça va faire, non? T'as dit bon, si on m'a pris le roi, excusez-moi, c'est lui qui m'a loué. Pas de frappe, non, pour ça. T'as dit serviteur aux femmes, mais mon Dieu m'a loué. Bon, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Et on va me dire, mais parce que vous devez avoir plus de grâce pour qu'on supporte tout dans tout ça. Vous avez bien courir ma terre. Pour la course là. Car Philippiens chapitre 3, dans le verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes pour matin? Pour la vocation. C'est ça, vous comprenez? Matin, nous sommes en place, vous connaissez? Là, vous êtes en place. Nous sommes en place où? Nous, chaque là, Dieu positionne nous, nos places. Quand il a dit, on sort de la trompette de Dieu, les morts en Christ, restons premièrement. Nous qui les vivons, nous serons transformés. Si vous avez nos places, vous ne pouvez pas transformer la terre. Maintenant, parce qu'elle est si rétent en place. Ou même la critique, on est en place. Il y a pas le mal, on est en place. C'est pas vous qui te mettez là, c'est mon Dieu qui te mettez là. On est en place. On est en place. Retenons place sous ma terre. Car l'apôtre Paul a dit, frère, je ne pense pas la voix saisie, mais je fais, tenez, une chose qui t'a fait. Oubliant, aïe aïe aïe. L'apôtre Paul dit, c'est parce que tu as remporté le prix. Mais vous, on va dire qui est important. N'importe qui a couru pour ralentir la course. Là, on est à voir terre. De moi courir, ou pour une disposition pour courir, de vous décider pour voir que vous avez vu ça, où était-ce que vous êtes allé à quelqu'un pour là? Vous avez couru, car vous avez vu que vous avez vu ça, vous comprenez? Vous avez vu le, pendant que Dieu dit le, qui te paye, pendant le temps, vous avez vu le reste qui est là, vous avez vu le cadre de nos statuts. Les chrétiens, vous avez couru des travaux pour vous. C'est dans le milieu de vous, tu vas faire ça. Il y a un dame qui dit ça. Un dame dit à mon idée de ça. Après, il dit une modification. Non. Un dame dit, il y a des gens. C'est toi qui as besoin de mon Dieu. Après, il dit ça. Il y a des gens. Il m'a dit tout. Il dit, et pas tout le monde. Il y a des gens. C'est toi qui as besoin de mon Dieu. Et vous dites, comment expliquer ça? Vous avez besoin de faire grâce. Parce que le travail est une bénédiction. Dieu vous donne une grâce pour travailler 7 jours. Ou bien 6 jours. Dimanche, un jour pour venir à l'église. Ou bien travailler la soirée. Ou bien vous avez taille. Ou bien vous avez un bâtiment. Ou bien vous cherchez. Ou bien vous dites, quand tu vous dis là. Ça va vous dire avant. Ça va vous dire avant. Et donc, vous êtes là avant. Qui va vous dire que vous êtes là. Mais pas vrai. C'est pas vrai! La Bible dit, t'es venu chercher mon Dieu, reste comme des guides, mon Dieu a peut-être qu'il va gagner pour moi. On a pris tout le temps. Je dis, moi, je vais venir à lui, il a dit, est-ce qu'on peut s'y bagarrer? Oh, mais moi, et je dis, moi, ça, il n'est pas venu à l'église. Ouais, mon Dieu, c'est tant qu'il a besoin, il va gagner mon Dieu. Et tout le temps, t'es venu au verre table, et dimanche, il t'a pris. Ah, moi, je ne suis pas venu à l'église, c'est la vérité. La vérité, l'évangile, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont couru vers le but. Les gens qui ont couru vers le but, quelqu'un de bagaille, ou de plier, ou de refuser. Là, je vais vous dire, en tant que les gens qui ont couru vers le but, quelqu'un de bagaille, ou de refuser. Il y a des bagailles, oui, ou de tampon, mais de refuser. Peut-être non moins. Peut-être non moins de refuser. Dans le coup-là, je ne vais pas demander ça, je vais refuser. Mais tant que vous la caillou, mais non moins. Et ça, pour tout le monde qui dit ça, je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et portons vers ce qui est en avant. On va courir pour mettre en terre. Ça qui est derrière là, c'est porter vers le but. Qui est le but? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas fini. Pour bien courir,
Eh bien, de vous bien courir, il faut attendre le prix. Mais pour vous qui bien courir, il faut attendre le prix. Car apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8 dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste et juge. Moun qui va commander courage, moun. Les justes juges, moun qui va le parti pris. Les justes juges, moun qui va les voir enlever tous les tirs, la roi. Les justes juges, moun qui va le monde pas. Le Seigneur Jésus-Christ. Et ça dit, les justes juges, le Seigneur Jésus-Christ me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, ça veut dire, et pas seul à l'apôtre Paul qui l'a poussé à matin ou l'a poussé à matin. Dégagez-vous pour courir. Pour courir. Si l'on court sur la terre, c'est celui qui est champion qui est pris. Si Christ a fait comme ça, eh bien, si c'est celui dans l'église, tout le monde qui est dans l'église, tout a couru, son celui Christ a fait. Il va l'avoir comme ça. Mais Christ besoin de la carrière de mon sentiment pour courir. Ou mon décision, détermination pour courir. Apôtre Paul dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé. Son abeille. Il dit apôtre Paul connaît pas celle lui-même. Il connaît nous d'ailleurs. Vous avez dit, hein? En plus, nous avons dit apôtre Paul. En plus, nous avons dit apôtre Timothée. Mais je t'ai dit, mais vous t'avez premièrement. Non, mais apôtre Jacques. Non, mais ouais, Étienne. Non, mais Jean-Baptiste. Mais ça qui est important, vous t'avez premièrement. Le Seigneur Jésus qui m'a fait. Pas que vous voulez pécher, le Seigneur Jésus qui m'a fait ça. Vous avez dissimulé à le Seigneur. Bon, moi, tu chantes là, tu dis ça. Ça va aller. Sois pas allé! Ah! Dieu vous donne de l'église là! Pour qu'il vous ait bien une marée, oui! Pour qu'il vous ait la guerre pour courir pour tout! Sois pas allé! Dieu vous donne de l'église là! Ils ont mis les pieds d'une marée! Vous allez vous expliquer discernement pour vous! Dieu vous a mis les pieds d'une marée! Il parle pour ça, non? Après, parlez d'une église! Il y a une administration de Bali déjà après Bali pour l'édification dans notre texte. Il dit qu'il y a un petit capot à courir. Petit capot à courir. Mais grand pile gros capot, pile gros. Oh, il n'y a pas applaudi mon spectacle. Il a dit, oui, oui, allez. Il a dit, nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas arriver. Nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas arriver. Gros capot, ils sont tombés. Tombés. Il y a un petit pitié, il y a. Ou même, c'est des gens qui me disent, vous avez tout été pour lui. Mais maintenant, même si vous parlez mal, comptez sur moi du matin. Comptez, il y a le capitaine. Je ne suis pas pour papa, je ne suis pas pour salé ici, je ne suis pas pour une chef de la Zaret là. C'est lui qui a compris le matin. Maintenant, combien de là, médaille d'or, son médaille de Jésus-Christ, il est. C'est pas une médaille d'or, ni qu'à passer, mais médaille de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, le petit capot, ah, où est-ce arrivé? Où est-ce arrivé? Ah, petit capot, libre aller la course là. L'aller la course là. L'aller, puis devant, dit, ah, je vous mets tout, ou pas même gué les ailes, ou pas gué les pieds, ou pas arrivé. L'équipe comme. Là où est petit capot, côté gros capot t'es tombé, l'équipe gagne toujours. Ah, il y a des gens qui commencent à réfléchir. Là où on est à la mer. Il y a des gens qui vont réfléchir. Là où on prend une décision pour ça, ils vont dire tout mauvais. Petit capot, nous les comme ça. Petit capot, allez, petit capot, allez. Jusqu'à ce que petit capot, il y a des sommets, il y a les livres, tout le séjour est étonné. Il a dit, comment on fait arriver?
Ils ont posé une question. Le journaliste dit, mais tout gros rapport est tombé, ils n'ont pas arrivé. Ou même comment faire arriver? Il dit, je vais vous donner tout ça pour la petite. Oh là! Tout ça pour la petite, je vais vous donner. Vous parlez, je vais vous donner. Je vais suivre la destination maintenant. Si vous dit, tout ça pour la petite, je vais vous donner. Je vais vous donner. Parfois, si vous entendez, ralentis maintenant. Madame, bon, précise ça. Pardonnez ça, je dis, maintenant, ça, Jésus de Nazareth, maintenant. Ah, si vous donnez ça, le petit, on va décourager, on va quitter le couple, on va quitter quel homme, on va quitter les dames, on va quitter quoi là. Pour qui bien monde, gardez Jésus, ça, mon Dieu, maintenant. Si vous dit, tout ça, on va pas attendre parce qu'il va y avoir un pour entendre, même si vous avez une destination pour lui. Il faut courir pour remporter ça. Le bruit matin. Pour finir matin. Et ça, pour te dire, là, de Timothée 4, verset 8. Mais, à propos de Jean, on va dire, dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 21, il dit, mais ça arrive pour le monde qui remporte le bruit. Celui qui m'écra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi, j'ai vécu. Amen, amen, amen. Et me suis assis avec mon père sur son trône. Attendez ça. Ça, c'est assurance. Maintenant, on va assurer ça. Qui l'a pour ça, continuez-vous. Jésus-Christ dit ça. N'importe qui qui gagne, ma capacité pour chiter sur le trône matin. Pour qui ça? Parce que lui-même, il était déjà, vécu déjà. Et maintenant, il est assis à la droite de son père. Maintenant, courir pour remporter le prix. C'est ça, Apocalypse chapitre 21, aussi a dit, le verset 7, il dit, celui qui vaincra, héritera, sachez, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Moi qui vaincra, regardez, à Matthieu, on va mettre le père, ou que mon diable, ou que le père, ou que le fils, ou que le Saint-Esprit dans sa matière. Mon courage, l'église, à courir. Pas que ça vous a dit. Pas que ça vous fait. Et ça, l'apôtre Paul va conclure. L'apôtre Jean va m'excuser. Il dit, je combattu, je viens bientôt. Retiens ferme ce que tu as. Que personne. Au temps de la terre. Au temps de la terre, les directions. Elle dit, il est en position. Pas déplacé. Afin que vous ne pas voler la récompense. Ma fini, il y en a la récompense. Est-ce que la récompense pour vous qui travaille? La récompense, c'est pour vous qui travaille. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas capable de mériter le salaire. Et ça vous dit, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Maintenant, on a un coup là, hein? Mettez en place. Il vient bientôt. Il vient bientôt. L'église, il vient bientôt. L'église, il vient bientôt. Nous devons faire quoi? Retiens, ferme, afin que le Seigneur vous bénisse. Je suis bien content pour me rejoindre avec nous encore après un si bel message qui était prêché à travers le service de nous, Pasteur Nason Dovillier. Je suis béni, je souhaite que nous portions béni tout. Je dis vous merci pour le temps que vous avez pris pour que vous avez tant de messages. Et pas oublier, nous, message ça a été sorti de l'église baptiste d'expression française de New Haven. Et non moins, c'est Roland Antoine qui a souhaité nous une bonne semaine et que bon Dieu qui va bénir nous. À la prochaine. Ma vie vieille frère, grâce mon Dieu sous moi, c'est moi qui me fait pour ça, c'est gagner.
Si ou wè Michel Beck kon sa, grâce mon Dieu sou mwen. Se wè yèm fè pou sa, se gade gade mwen kon sa. Non, se pa an yèm fè pou sa, se gade gade mwen kon sa. Ki tèm loue, ki tèm loue, mon Dieu non. Ki tèm exalté, ki tèm exalté, mon Dieu non. Ki tèm adoré. Qui te m'a adoré, mon Dieu, non. Grâce, oh, grâce, oh, c'est grâce à vous, Seigneur. Grâce, oh, grâce, oh, c'est grâce à vous, Seigneur. Si je dis, y'aime pas dans prison, c'est grâce à vous, Seigneur. Si je dis, y'aime pas l'hôpital, c'est grâce à vous, Seigneur. Si je dis, y'aime qu'à respirer, c'est grâce à vous, Seigneur. Grâce, oh, grâce, oh, c'est grâce à vous, Seigneur. Oh, grâce, oh, grâce, oh, c'est grâce à vous, Seigneur. Si vous voyez ma vie, vieux foi, grâce, mon Dieu, sous moi. C'est moi qui me fait pour ça. C'est garder, me garder, moi, comme ça. Si vous êtes content, vieux foi, grâce, mon Dieu.